m'appelle Abdelhafid Metalsi. Mon roman, c'est La colline à l'arbre seul, qui vient d'être publié sous le label La Grenade, chez Jean-Claude Lattès. Alors, La colline, c'est une colline artificielle, qui est un amoncellement de terre posée là. Et au fur et à mesure des années, c'est devenu une colline. Elle est située dans un terrain vague, qu'on appelle le champ. En tout cas, dans le jargon des mômes, dont je raconte l'histoire, quand ils disent « on va au champ », ils vont sur ce terrain vague. Et la colline, en fait, c'est une forme de vigie. De là, ils peuvent voir un peu mieux l'horizon, et puis rêver. Jouer, surtout. Cinq mômes qui sont évidemment le protagoniste principal, c'est Shems, il y a Dimitri, Frankie, Karai et Gros. Ils ont une dizaine d'années. Les cinq vivent dans le même faubourg. Ils sont voisins. Et en fait, on suit leurs aventures. Shems, c'est moi en plus audacieux, aussi sensible, mais en plus audacieux, en plus malin, en plus fort. Voilà. J'avais besoin d'un personnage qui soit moteur, même si, je ne m'en cache pas, quand il est dans les bras de sa mère, il le dit, il veut rester encore un enfant, il veut en profiter. Voilà. Mais ça, c'est l'adulte qui sait que ça passe vite. Je pouvais parler de quelque chose que je connaissais, voilà, en étant sincère, sans être obligé de faire des recherches, de me documenter ou de observer, je le fais toujours, mais un peu d'espionner, d'écouter, par exemple, je ne sais pas si j'ai envie d'avoir un dialogue entre deux mômes, je vais glisser une oreille dans une classe ou je vais trouver, je ne sais pas, dans un parc, je vais être très attentif, essayer d'écouter ce que des enfants se disent, par exemple. Je n'ai pas eu besoin de ça. Parce qu'en fait, je suis parti des situations. Et ensuite, je me suis fié à mon instinct et à mon sens du juste. Et je pense que je l'ai parce que j'ai cet enfant en moi qui continue à vivre, même si j'ai une apparence d'adulte. Enfin, je crois que, en tout cas, de manière rationnelle, je pense que je peux l'expliquer comme ça. Il y en aurait beaucoup, et forcément, il y en a que je ne peux pas citer parce que je m'en souviens pas. Puis il y en a qui m'ont touché parfois par quelques phrases. Vous savez, Un sac de billes, c'est comme Black Boy de Richard Wright. Ce sont deux romans qui m'ont bouleversé adolescent. Et c'était grâce à l'école que je les ai découverts. Un sac de billes ne m'a jamais quitté, cette histoire-là. Black Boy non plus. Je pense forcément au film de Louis Malle. Le premier jour de la création. Tout a commencé dans le champ, un beau jour d'été, alors qu'on était à côté, en train de fouiller dans la benne avec l'espoir de glaner l'aubaine. Comme les gitans qui habitaient des caravanes, le long de la voie ferrée. On était des gosses, insouciants et tout le tralala. Le champ était un grand terrain vague, paisible, qui voulait ressembler à une prairie, avec une colline posée dessus. Au sommet, il y avait un arbre, ou du moins ce qu'il en restait. Un tronc cicatrisé d'initiales de « je t'aime » gravé au couteau, entouré de cœurs grossiers. Et ses plus hautes branches sauvées des assauts répétés des mômes. Au printemps, des buissons épineux bourgeonnaient, des ronces et d'autres herbes folles l'envahissaient. Nos cheveux fleurissaient de boutons d'or, de coquelicots, de fleurs de pissenlit cueillies. Et les orties coloraient nos mains de rose. Un champ vierge pour que les gosses suçotent l'acide saveur de la rhubarbe sauvage.